Ça, c'était pas prévu. Bon, les coffres, ils contenaient rien d'intéressant, donc on avance. Comme ça, ce sera fait. Pas besoin de récupérer tous ces coffres. Donc là, il y a Bibi qui sera dans la boîte. Voilà, donc on a la machine. Voilà, donc il y a Bibi, sniff sniff. Finalement, ce sera pas une vidéo d'une demi-heure, elle sera un petit peu plus longue que d'habitude. Bibi, Zidane, je le savais. Voilà, comme d'hab. Hein. On le sort de là. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors qu'en fait, faut éviter de le taper avec la magie parce qu'il riposte tout de suite avec la magie, l'autre. Allez, on lui fait l'exemple. Fermez la madame Lotti. Là. Alors là, je vous dis, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il me batte de cette manière. Mais vraiment pas du tout. Ça, c'était pas prévu. Au pire, je ferai une vidéo de deux parties, d'une demi-heure, comme ça. Comme ça, ce sera fait, quoi. Oui, allez, on a vu la machine. Allez, on avance. Ah, c'est chiant quand on meurt comme ça, là. C'est sûr que c'est pas prévu, on s'y attend pas. Allez, allez, avance, avance. Pas de monstre. Non, c'est bon, pas de monstre. Voilà, donc on voit rien, mais on entend. Ils vont bientôt éclore, on avance. Et voilà. Et donc là, on voit. On voit ce qu'il y a à voir. Hein. Les mannequins en forme de Bibi. Alors, 8. Ça va faire une assez longue vidéo finalement. Parce que là, je m'attendais pas à me faire battre par le valseur. C'est la première fois qu'il me bat. Pardon. D'habitude, je sais pas, je le bats. Mais là, le brasier plus m'a littéralement massacré ma tronche. Je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Voilà, il se retrouve dans les boîtes. Allez. Cette fois, hein, on le bat tranquille. Ah, c'était épique, là, comme il m'a battu. Hein, épique fail, hein, j'ose dire. Bon, on en est déjà à Steiner, donc ça va. On a gagné du temps. Bon, allez, on va l'attendre, il va descendre. Allez, papy, on accélère, allez, allez. Oh, il y a quelque chose là. Profitons-en. Des sous. On va équiper juste vite fait là l'épée de fer, on va mettre le armée de fer par à coup. Voilà, puis on va lui mettre les compétences diverses et variées. Voilà. Allez papy. Eh ben, il est pas pressé, hein. Papy, allez, on se dépêche. Il y a quelque chose là aussi. Une maxi potion. Intéressant. Allez, dis-moi. Un café, blablabla. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Blablabla, le cargo, allez, dis-le moi, il est déjà là. Etc. Je me perds moi-même dans ce qu'ils disent parce que c'était pas là. Voilà. Oui, Steiner. Oui, merci. Allez, hop. Voilà, on y est. On va se refaire le valseur. Donc là, j'ai planté l'épée. Hein. C'est en fait, c'est plus rapide. Hein. Ils sortent tout de suite comme ça. Oui, quelque chose sort de la terre. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ensuite, il faut aussi que je trouve un point de sauvegarde, hein, parce que ça va pas être évident encore. Hein. Ça va. Ça va juste être un petit peu plus long. Je pense qu'elle sera en deux parties pour une fois, pas sortir une vidéo d'une heure. Mais bon, c'est quand même avec plaisir que je continue, sinon je ferai pas de vidéo, vous me direz. C'est normal en fait, c'est logique. Allez, oui, c'est étrange, allez, elle va bouger.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'y plante mon épée. La réaction de Steiner en voyant ce qu'il a failli planter la princesse est assez marrante, je crois, d'un côté. Tu peux vraiment me tuer? Ah oui, vaut rien, c'était toi. La princesse est... Ouch, il a sauté sur la tête. Il a assommé. Et bon voilà, on revient à la même scène que tout à l'heure. Bon allez hop 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 hop, hein, passons. Passons. Allez, allez, oh, c'est que c'est un petit peu long hein, quand même quoi tu parles. Allez. Ce serait bien de pouvoir passer les dialogues. On y serait plus vite. Allez, voilà Valseur 2. Allez. Cette fois, je pense pas que je vais essayer de voler le chapeau prince, si je vais le voler directement. Comme ça, ce sera fait. Et j'aurai pas besoin de faire troisième œil. Mais j'ai pas blindage, donc pour me protéger de la magie, j'ai rien. Donc, il pique. Et beaucoup. Princesse, attendez que j'en ai fini avec eux. Allez. Allez vite. On le frappe là, tout de suite. Déjà. Donc là, faut tout de suite soigner quand on fatigue. Comme ça, c'est fait. On va se faire stock. Non, je voulais pas la cuirasse. Voilà, on soigne Steiner pour la vie qu'il a perdue. Il a quand même 305, c'est pas rien. Allez, Jidan là, vole. Allez. Ah ça y est, il commence ses magies à dessous là. C'est que sur Bibi. Bon ça va. Bibi par contre je pense pas qu'il survivra à l'assaut du brasier plus. Vol raté, non. C'est pas possible. Bon encore un stock avec Bibi alors. On va renforcer à max la magie. Allez là, vole lui de ce chapeau pointu. Brasier. Sur Jidan. Allez, 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 allez. Raté. Ah non. J'ai oublié d'équiper Bibi avec les nouveaux équipements. On va tous nous aller soigner comme ça. Parce qu'il va tout de suite riposter. Je ramène la princesse. Oh non. Me dis pas que c'est le plus. Eh ben si. Comme ça, on a un mort. Un seul mort. Il a pas tué Bibi? Mais comment est-ce possible? Bon, je sais pas comment ça se fait, mais Bibi est encore vivant alors qu'il avait moins de vie que Jidan. C'est grâce au stock. Bon, on soigne. Steiner, il va lui mettre un sacré coup dans la tronche. Ah ouais, tu veux te battre, hein? Mange ça. Ouh, 720. Ah ouais, ça pique. Malheureusement, Jidan, il est dans les choux. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste des points de compétence. Donc tout va bien. Voilà, nous sommes enfin après le valseur. Valseur 2, il est peut-être même vraiment envoyé par mer. Que dites-vous? Vous ne pouvez croire un tel malandrin. Plus nous nous éloignons du château, plus nous risquons de rencontrer ce genre de gredin, se disant je changerai sa majesté, blablabla. Le secret de mon identité est donc été percé. On ne dissimule pas facilement une origine de haut. N'importe quoi, qu'est-ce que t'en sais, papy? Dégâts, fais de gros efforts. En fait, c'est toi le problème, tu passes ton temps à courir partout entre ton princesse, princesse. Et là, il y a Bibi qui est toujours un petit peu triste. En même temps, hein, c'est normal. D'abord, nous devrions peut-être nous reposer. On retourne à l'auberge. Oui, il vaut mieux. Allez, on va à l'auberge. Ouais, Jidan qui est mort, je vais le ranimer. Oh, je vais peut-être pas aller à l'auberge, je vais juste... Ah si, peut-être pour sauvegarder, en fait. Ça risque d'être important.
je crois. Et je vais peut-être équiper Bibi aussi les nouveaux trucs. Voilà, un Robin Hood, le cuirnier, la soirée. Est-ce que Jilan est déjà équipé du... Non, il n'est pas équipé. Bien ce que je me disais. Et Daga, elle est déjà équipée. Donc je vais juste m'occuper des compétences de Bibi. Ouais, je pense que j'allais pas hold up aussi. Ah non, en fait. Est-ce que... Non, pas Daga. Si, Daga. Ah, mais qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi, hein. Bon, c'est bon. Allez, on va se reposer. Oh là, l'aubergiste. Toujours en train de dormir. Hein, quoi, pardon. Ils ne l'ont pas arrêté. Eh, papy, ça ne serait pas dévisager les jeunes filles comme ça. Bon, en plus, j'ai des chambres gratuites, c'est bien, hein. Allez. Bon. On se pose des questions, hein, avec ces gens bizarres. Allez, on va pouvoir partir. Tranquillement. On va sauvegarder en demandant au Mog. Et je vais volontairement continuer dans cette vidéo, hein. Ça sera pas long. Mais vous verrez pourquoi. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit dans cette vidéo que dans la prochaine. Vous allez vite comprendre pourquoi. Allez. On va retourner là-bas et on va prendre le cargo. La mémé, elle voudra pas se pousser, hein, madame. Allez, on embarque. C'est parti. Je vais voir si on peut embarquer, attendez. Quoi, Tunisia, je ne veux pas faire par la princesse. Il est louche ce Steiner. Il est louche. Le vaisseau va à Alexandrie. Eh oui, tu veux que nous mouchons à bord? T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Jilan a tout prévu. Ah, Bibi parle enfin. Les mannequins dans les souterrains, ils me ressemblent. Allons-nous lui dire la vérité ou pas? Il vaut mieux aller. C'est normal pour des mannequins. Ça a démarré. Allez, vite. Embarquons. Vite. Allez. Et Bibi monte en premier. Hop, 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 on grimpe l'échelle. C'est à Daga. Allez, Daga, monte l'échelle. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas, madame. Allez, hop. Le vaisseau décolle. Eh, mais où est-ce qu'il lui a mis la main, là, Jilan? Petit coquinou, voyons. C'est pas la peine de te mettre en rogne pour si peu. N'en parlons plus. Ah, c'est trahi. Oh. Est-ce que Bibi va bien? Il a l'impression de se faire aspirer. Et ils vont rentrer dans le vaisseau. Les voilà donc dans le vaisseau. Et Jilan à l'extérieur. Elle a pas vraiment l'impression. Bon, il veut un bisou. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah bah tiens. Il y a Bibi qui essaye de parler au mannequin. Qui bouge. Ils sont trans... Donc oui, le mannequin, bon, bah, je vous avais lu quoi. Hein. Ils répondent pas. C'est étrange.
Eh oui, ils ne répondent pas, ils ne le voient pas. En fait, ils font leur boulot et puis c'est tout. Allez. Donc là, Jaden va aller sur le pont pour ben, rediriger le vaisseau, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait? Un vieux modèle, les moteurs à brume. Même pas les machines. Ah, bon, bref. Allez, montons. Montons, montons. Donc il y a Steiner qui doit être en haut. Vu qu'on l'a pas encore vu. Il est là en train de se morfondre. Que faire? Comment faire? Qu'ai-je fait? Car vous êtes la princesse, c'est une défaillance injustifiable. Et alors mon vieux, qu'est-ce que tu faisais? On a failli rater le décollage. Qu'est-ce que tu fais là? Où est la princesse? À la salle des machines. Je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais ce vaisseau va au château. Tu as enlevé la princesse et la mort qui t'attend. Profite bien de ta liberté. D'accord. De toute façon, on va pas aller au château. Non, mais tu crois quoi, toi? Le vent nous est favorable. Sa majesté sera contente. Si ce voleur n'avait pas été là, la princesse n'aurait pas embarqué. Ça lui évitera la mort et il sera encore enfermé à vie. Ouais, c'est rien, hein. Y a pas une grande différence. Hein. C'est aussi un chevalier de savoir le faire. Et ça bouge, ça bouge. Et oui, si vous vous souvenez bien, avant, elle a dit ils sont opérationnels. Et ils sont donc plusieurs. Il y a déjà eu Valseur 1, Valseur 2. Et vous venez de voir, bien entendu, Valseur 3. Bébé, brigand, tu me le paieras. Et pratique d'avoir une queue. Bref. Ah, je crois que tu les as vexés. Il ne dit rien tout à l'heure, c'est de ta faute. Mais non, ils sont pas en colère. Où est-ce qu'ils vont? Que se passe-t-il? Ah, voici Valseur 3. Bibi! C'est donc toi qui as vaincu numéro 2, moi Valseur 3, je ne redoute pas les gamins de ton espèce. Princesse, veuillez patienter pendant que je m'occupe des jeunes. Et voilà tous les autres qui viennent le protéger. Mais pourquoi? Ce sont donc des mages noirs, hein, bah vous l'avez deviné, je suppose, hein, quand même. Donc vous avez vu hein, le valseur numéro 3. Il a de massacrer absolument tout l'équipage du vaisseau. Et Bibi est très très en colère. Et Steiner aussi. Et Jidan, ben il va aller l'aider. Ça a décidé de passer la frontière ou de rentrer au château. Donc là va falloir se taper un valseur sans daga. Donc sans mage blanc. Donc sans soin. Donc ça va être très chaud, très très dur.
Ah oui, mais j'ai pas eu le chapeau pointu, moi, il me semble, en fait. Bon, tant pis, c'est pas grave. Fou. Allez, c'est parti. Allez. Il faut absolument pas perdre contre lui, et il va être extrêmement difficile. C'était tes amis. Si tu ne fais pas la différence entre moi et des pantins, c'est que tu es encore plus stupide qu'eux. Même si ce n'était pas vos amis, ce que vous avez fait est impardonnable. Ce ne sont que des numéros. Tout le monde est là, c'est une rencontre comme je les aime. Le savoir ne vous servira à rien, puisque vous allez mourir. Les jeunes ne survivent pas. Et le combat commence. Valseur 3 contre nous autres. Et je vous le dis, Valseur 3, c'est un mec qui a vraiment les nerfs, et lui, il est chaud à battre. Surprise, Bibi entre en transe. Bon là, j'ai pas cherché à voler le boss, hein, vous me pardonnerez. Et oui, magie noire plus, donc, sert à faire deux magies en même temps sur les monstres, ce qui est assez pratique. Il esquive le coup. Vous ne mourrez pas avec ça. Bon bah maintenant qu'il est en vol, je peux pas le frapper depuis le sol. Mais qu'avec la magie... Paf. Et hop, deux magies d'un seul coup, ça pique, c'est pratique. En même temps, Bibi, là, il est vraiment énervé. Il en veut beaucoup, beaucoup au boss. Il me foudre plus, ça va faire mal. Aïe. Ah non, ça va. À part Steiner qui a pris un sacré coup, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il a sur lui? Voyons voir, voyons voir. Gantelex. Armure de lin. Ah ouais, il a quand même 3 objets. Et c'est 3 objets vachement puissants. Enfin, vachement puissants. Qui sont pas mauvais, on va dire. Donc ce serait intéressant de les avoir, mais bon, ça va être assez chaud. On va essayer, on va essayer. Allez, deux brasiers dans la face. On va lui cramer les ailes au salopio là. Et le deuxième brasier. Soustraction en plus. Ah bah c'est bon, il est vaincu. Ça a été rapide, ça a été rapide. Hein, grâce à Bibi. Finalement, bah, j'aurais pas pu lui voler les trucs qu'il avait. Tant pis. Il est vaincu. Et donc, on va assister à la petite scène juste après, quoi. Misérable, je suis fait pour gagner. Donc il bug, hein. Ça commence à bien faire, il y a encore beaucoup comme ça n'en finira donc jamais. Je pense que c'était le dernier. Ils s'appellent les valseurs, je pense donc qu'ils sont que 3. Je sais pas pourquoi, parce que valseurs. Donc la princesse a décidé de passer la frontière par la porte sud. Bibi, il est un petit peu pas tout là. Et il y a encore pile les faces qui sont là pour mater tout ça. Et donc, ben, les valseurs sont tous vaincus. Et là, il y a le valseur 3 qui fonce sur eux apparemment. Et ce n'est pas le moment de se lamenter. Oh. Il fuit. Hop. Je suis fait pour gagner. Hop, il bug là, il est en mode je suis fait pour gagner. La porte est en vue. La porte de suite est prévue pour les passages des aéronefs, elle arrive juste à leur attitude de vol. Il faut avoir le cœur et les bras bien accrochés. Tu veux que je te remplace? Elle veut le faire. Bon. Ce vaisseau n'est pas prévu pour passer la porte, ils vont peut-être la fermer. Mais quand la rotation, il n'y avait pas eu de contrôle, ça ira peut-être. Capitaine Daga! Finalement, cet accord a pas mal de puissance. Ce n'est pas la bonne direction.
La valseur, ils montent à bord de l'appareil étrange et ils leur foncent dessus, quoi. Eh oui, ils se font poursuivre par le valseur. Donc ils vont être obligés de foncer pour réussir à s'échapper. Voilà, donc le valseur aura bien essayé, mais il n'aura pas réussi à vaincre notre équipe sur l'aéronef. Non, l'aérocargo. Donc en direction de Lindblum, ça s'arrêtera à Lindblum. Et je trouve un mog, je sauvegarde et voilà. Ça sera déjà bien. En espérant trouver vite un mog. Normalement, il devrait y en avoir un assez rapidement. Donc, on a carrément changé de continent, hein, maintenant. On est dans une autre ville, dans un autre royaume. Avec un aérocargo tout pourri. C'est pas la joie dans le vaisseau, hein. Steiner, il est en train de dramat sur, je sais plus comment on dit, hein, de péter un plomb. Bon bah Steiner, il va rester, hein. Donc il y a une ville dans le château, donc c'est assez pratique pour les achats. Ah, Jidane parle un petit peu. Petite réflexion. Steiner répond lui. Bibi est perplexe. Mais en même temps, c'est normal, hein, il a l'impression d'être créé.
Alors, nous sommes dans le château. Il va falloir retrouver un mug. En espérant qu'il y en ait un rapidement. Le château de Lindblum. On pourrait aisément recevoir deux ou trois grands vaisseaux comme la Rose Rouge. C'est un héros vraiment classique. Je m'appelle Grana, princesse du royaume d'Alexandrie. Voilà, donc ils sont pas sûrs que ce soit la princesse. Elle a la preuve qu'elle est de la famille royale. Ils appellent le conseiller, machin truc. Chouette là, le méta. Dis-moi pourquoi personne ne devine que tu es un honorable chevalier d'Alexandrie. C'est vrai que... Un prétendu princesse d'Alexandrie, voilà, ce qui est lourd, c'est qu'elle possède une imitation de la griffe du dragon. Bon, lui, il a l'air étonné de la voir, hein. Sa majesté vous attend, veuillez me suivre. Donc c'est parti. On va sans doute aller voir le roi de Lindblum un petit coup. Mais je vais essayer de trouver un mug avant. Il y en a peut-être un par là. Ouais, il y en a sans doute un là-dedans. En espérant qu'il y en ait un là-dedans. Mais il me semble que j'en ai déjà vu un dans les parages. Le voici. Ah, puis j'ai la lettre pour lui. Lettre de Gumopamok. Celestine est venue me voir et m'a dit qu'il allait partir pour une chasse au trésor et 5 minutes après il s'en est allé. J'ai voulu rester un peu plus longtemps avec lui, mais où est-il parti, ça te dit quelque chose. Hop, on sauvegarde et on va pouvoir se laisser. Donc, maintenant, ben, pendant la sauvegarde, hein, je tiens à m'excuser parce que la vidéo est assez longue. Mais bon, après, vous regardez coup par coup, hein, vous faites comme vous le voulez. Vous êtes libre de vos choix. Donc la prochaine fois, je sais pas sur quoi ce sera ma vidéo, hein, comme peut-être que j'aurai atteint les 1000 vues. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Désolé si j'ai pas été bien bavard, hein, y a eu beaucoup de dialogues et voilà, donc je pouvais pas trop parler à côté, quoi. Surtout que j'avais pas trop de sujets de conversation pour cette fois-ci. Bon, je vais donc vous... Excusez-moi. Vous laisser. Donc, je vous dis à la prochaine. Hein. On verra bien la vidéo sur laquelle ce sera une vidéo déjà moins longue. Donc à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.